Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Rewind. Au programme, des cris, une chirurgie et aussi étonnant que ça puisse paraître, une douche. Tu prends ton pommeau douche et tu fais bzzz dedans et puis non mais... ton cul tu le laves comment? Tu mets le pommeau de douche dedans? Non, tu laves ton cul quoi. Mais je mets pas le doigt dedans. Mais non mais... T'es des pailles d'olive pour te laver le cul. Mais non mais, pourquoi je suis là déjà? Et Vicky, comment tu te laves le cul toi? Le but c'est de laver son cul, genre tu... Je sais pas, tu... Je sais pas, tu passes la main dans la borne pour passer la carte et voilà quoi. Kiki ta gueule, c'est tout. Merci Angel, tu m'ôtes les mots de la bouche. Attends. Je vais leur faire peur, Ok, non. Essaye de leur ramener des jouets la prochaine fois au lieu de les imiter. Peut-être qu'ils seront plus friendly. Apparemment, Idan aurait trouvé un nouveau moyen, disons, peu banal, pour faire de la chirurgie. Donne-moi quelque chose dont je peux me servir pour effectuer la chirurgie. Oh, ça fonctionnait ! Pas de voir les opérations à fission nucléaire, moi. Souvenez-vous, Umbrillo a dit qu'elle ferait du mal à une certaine personne. Et on va niquer Monica, on va la... Eh bien, il est maintenant temps de l'avoir en action. Je plaisante. Mais ferme ta gueule, c'est pas drôle. Attendez, je suis un comme les yeux, on sait jamais, peut-être qu'elle va récidiver. Je ne peux rien faire, en fin de compte. Si vous... Ah, si ton but était de lui faire mal aux oreilles, je pense que c'est réussi. On enchaîne avec Plonk le magicien qui a combattu contre Voldemort. Baleinus Patronum qui fait apparaître des baleines dans le ciel. C'est un sort de défense très utilisé contre Voldemort. Il faut s- NON ! Bon, ne verse pas une larme. Tu ne finiras pas aussi mal qu'un détraté. Dans les draps et hop dans le coffre de la voiture. Ah genre tu lui mets un bon coup de pied là, dans le ventre, il tombe sur le lit, tu l'étrangles avec la cravate, tu le fous, tu l'emballes après dans la couverture et tu le traînes jusqu'à la sortie. Et paf dans les ordures. Ça va, en 2 secondes c'est réglé. Ce gros sac là, il m'énerve. On le retrouvera peut-être en enfer lui. Tiens, en parlant d'enfer, je savais pas qu'il l'avait ajouté dans Minecraft. Qui sait, on retrouvera peut-être le détraté. Et y'a quoi du quoi coup c'est quoi? Ah oh, mais... Oh le petit... Ah. Non mais... Mais ah c'est un screamer. On dirait des fat petits bonhommes. Le mais conseil des petits messieurs. Ici vous serez jugés pour vos actes. Et tu peux pas ressortir ça, en plus. Ah il a compris que j'avais pas regardé. C'était un peu gratuit. On termine avec Barty qui a le don de transformer temporairement quelqu'un en hélicoptère. Allez, des bisous et à la prochaine. Ça va, Vulpi, oh. T'as pas eu trop mal au crâne? Vulpi, ça va? Non, ça va. Oh. Achète ma mère. Hyper vitesse. Putain, mais par contre, meurs pas, toi. C'est moi qui fume, si toi, quel cancer.